suis Françoise Kepman, je suis la bourgmestre de la commune de Molenbeek, qui est juste voisine de Tour et Taxi. Et je trouve que l'initiative développée ici par l'association Déclic, eh bien, c'est vraiment génial, parce qu'on permet à des jeunes, finalement, de rencontrer des personnes, des professionnels qui sont véritablement impliqués pour leur apporter un soutien, que ce soit sur le plan scolaire, des études, professionnelles. En fait, quand je suis arrivé ici, j'hésitais entre deux métiers. Je voulais faire informatique ou comptabilité. Et je suis parti chez deux spécialistes qui m'ont orienté et qui m'ont dit voilà les avantages et les inconvénients. Et grâce à ça, j'ai su que je devais plus partir vers la comptabilité. Je suis en sciences sociales et donc je compte faire ça jusqu'à ma sixième pour plus tard devenir infirmière. Et je suis venue ici en section médicale pour plus savoir. Te inspireren en vooral ook te motiveren om het lot in eigen handen te nemen en ervoor te gaan. En ik denk dat deze methodiek ook in de stad waar ik burgemeester ben, Genk, een hele goede methodiek zou kunnen zijn om jongeren eigenlijk te tonen dat ze alle kansen hebben om te groeien tot waarvan ze dromen. Ik wil inviter tous les jeunes à venir rendre visite à Déclic. Venir à cette journée pour rencontrer des professionnels et puis surtout leur dire investissez-vous, faites l'effort et vous allez réussir et vous allez sûrement enrichir notre région bruxelloise. Merci. Je voudrais vraiment et sincèrement remercier maintenant que j'y suis les organisateurs parce que ce que je découvre dépasse tout ce que j'avais même imaginé. Cette diversité de professionnels est extraordinaire et surtout cette volonté de partager l'expérience. Ils ne sont pas que des mots sur un papier et sur une annonce publicitaire, il faut venir. La 7e édition de la Journée des Clics vient de prendre fin. C'est également une véritable réussite. Nous sommes plus que satisfaits du résultat. Nous avons été particulièrement impressionnés par nos professionnels qui se sont investis à 200%, je dirais même plus à 500%. Ils ont apporté, ils ont reconstitué un cabinet médical, ils ont apporté du matériel, ils ont permis aux jeunes de faire des expériences. Nous sommes, au niveau des professionnels, réellement ravis. C'est une réussite. Parce qu'ils se sont investis avec nous et qu'ils nous ont aidés à faire de cette journée une réussite. Et à côté des professionnels, on est très très contents par les étudiants qui sont venus visiter aujourd'hui la journée des clics. On a dépassé certainement le nombre des 1000 visiteurs, on doit encore compter combien on a eu au total. Mais les jeunes étaient très investis, ils ont posé des questions très pertinentes. Donc effectivement, ce fut une vraie réussite et on espère vous voir très nombreux l'année prochaine également. Cette année avait comme particularité de proposer, outre les ateliers habituels comme l'atelier boxe et l'atelier théâtre, proposer également un certain nombre de séminaires, des séminaires qui permettaient le développement personnel comme la confiance en soi, technique de présentation, comment apprendre à gérer son temps, mais aussi des séminaires pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir développer l'esprit d'entreprise et pour pouvoir créer sa propre entreprise. Donc cette année avait la particularité de représenter les métiers en pénurie. On les a mis en évidence aux différents stands avec des ballons de couleurs, mais également dans le cadre de notre concours Facebook où les jeunes se sont pris en photo avec des professionnels de ces métiers. Donc ce fut un réel succès et très intéressant pour eux de voir quels sont les métiers à venir et vers quelles études peut-être s'orienter dans le futur.